poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, plusieurs petits détails, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Ce tirage parle donc d'énergie sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour avancer dans sur votre chemin. Donc vraiment ne prenez que ce qui vous parle. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des informations complémentaires. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer ceci. Alors, nous allons commencer par l'énergie dans laquelle vous allez baigner où vous êtes en début de ce mois de décembre. Alors, vous êtes avec le roi de denier, donc plutôt préoccupé par du concret à un haut grade. Le roi de denier, c'est une grande maturité, savoir comment s'occuper de son royaume de manière concrète et l'ordonner par conséquent. Si c'est votre énergie, vous avez vraiment envie de continuer d'entretenir ce que vous avez bâti ou ce que vous voulez bâtir en tout cas. Avec ceci, nous avons la 7 d'épée et la 9 de bâton. On est quand même donc sur du concret. Là-dessus, la 7 d'épée nous explique que vous faites les choses un tout petit peu à couvert en ce début du mois de décembre. Vous essayez vraiment de passer entre les lignes, de prendre les chemins de traverse pour aller vraiment jusqu'au bout de ce que vous voulez mentalement, de votre objectif, en prenant, à mon avis, conscience que vous ne pourrez pas l'obtenir autrement que de cette manière-là, et possiblement parce qu'avec la 9 de bâton, il y a quand même un système d'usure, que vos désirs commencent à être un tout petit peu délicats et compliqués à assumer, et que vous êtes un peu fatigué et que peut-être vous avez l'impression de ne pouvoir arriver là où vous voulez arriver et à entretenir votre royaume si vous en avez déjà un, qu'en agissant à couvert, parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir assumer totalement, entièrement vos objectifs en fait. Mais c'est plutôt pas mal malgré tout puisque vous avez cette grosse énergie du roi de denier qui quand même sait à peu près où il va. Où vous allez justement, c'est le fil que vous allez suivre tout le long de ce mois. Et on était sur de la 9 de bâton. On arrive à la 10. Vous êtes au bout d'un cheminement de ce que vous aviez projeté dans vos désirs. Et là, nous arrivons à la fin d'un cycle. Ça commence à devenir un petit peu pesant, effectivement, je pense, pour vous. Mais vous êtes presque au bout, vous êtes presque arrivé au château. Vous allez bientôt pouvoir déposer votre fardeau et repartir sur un nouveau cycle. Parce que nous avons le monde qui vous signale quand même que vers où vous allez, c'est quand même la fin d'un cycle là, puisque évidemment le monde se pose. Et que là-dessus, vous êtes encadré, donc la 10 de bâton et la 10 d'épée. Mentalement aussi, vous allez poser votre fardeau. Alors vous n'êtes pas reparti tout à fait sur un nouveau départ, vous êtes en train d'achever ce cycle là. C'est plutôt rassurant parce qu'effectivement, ces deux énergies sont lourdes. Hein. C'est quand même le burn-out là, à peu près, ou environ, où on n'est pas très loin. Et la 10, c'est quand même achever un système aussi, pas forcément dans la joie et la bonne humeur. C'est qu'on ne peut plus, on ne peut plus faire autrement. On a tout essayé, on est allé dans tous les coins de cette situation-là, on a fait le tour. Et il est temps de passer à autre chose, ce n'est pas vraiment très agréable. Le monde est quand même protecteur et signifie malgré tout qu'au final, quelque part, tout ira bien. Que vous êtes arrivé vraiment au bout, pas de panique, vous y êtes presque. L'énergie coup de pouce que vous allez avoir, c'est une carte majeure, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est le chariot qui, elle, explique aussi comme le monde que ça va bien se passer au final. Vous êtes dans un système de progression vraiment pour le mieux en fait. Vous vous êtes réactionné, vous allez vous réactionner, vous allez sentir cette énergie chez vous d'avoir envie de vous réactionner et d'avancer une bonne fois pour toutes parce que ça commence à devenir pesant. Là-dessus, vous avez le pendu et l'ermite. Donc, certes, là, vous êtes
vraiment, si ce n'est à l'arrêt, en tout cas, vous peinez énormément à arriver à la fin de votre objectif. Le pendu reprend un peu cette énergie-là, vous vous sentez un petit peu bloqué. Mais dans ce blocage, vous allez pouvoir prendre le temps de voir les choses différemment, d'inverser la situation. Et à mon avis, d'avoir l'illumination, la bonne idée qui va vous permettre de monter dans ce chariot, de pouvoir avoir cette énergie de progression et de réussite, encore une fois. Parce qu'avec ce pendu, nous avons cette ermite qui met en lumière. Cette ermite qui explique aussi ce temps de pause d'isolement, qui permet une compréhension supplémentaire sur la vie, cette situation, chacun aura la sienne, et qui illumine aussi ce pendu. Donc vraiment de très bonnes énergies positives, principalement parce que ce chariot est l'énergie générale, et que vous allumez des lumières sur ce blocage et ces situations pesantes. Le challenge que vous allez devoir affronter si vous l'acceptez, c'est la 3 de denier. C'est qu'il va falloir faire avec les autres, à mon avis. Composez dans votre royaume, puisque c'est vous le roi dans cette histoire, c'est vous qui gérez et qui ordonnez votre royaume. Composez avec les autres. Avec qui, excusez-moi, avec qui et comment faire? Qui pourrait vous apporter quelque chose de positif pour votre construction? Peut-être une nouvelle construction, effectivement, parce que vous êtes arrivé au bout. La 3 m'explique que vous partez sur quelque chose d'un petit peu différent dans votre... une construction supplémentaire, en fait, dans votre royaume, parce que vous n'allez pas achever votre royaume. Hein. Vous allez achever un cycle de désir et un cycle mental. Donc, vous n'allez pas tout balayer sur votre chemin et repartir vraiment sur un nouveau projet. Mais en tout cas, comment modifier un tout petit peu votre construction concrète. Et ça va être challengeant parce qu'il va falloir faire avec d'autres personnes peut-être. Amener du sang frais, on va dire. Aller demander de l'aide aussi. La 3 de denier, c'est quand même ne pas... Si on veut construire quelque chose, il va falloir intégrer des gens extérieurs qui vont pouvoir nous aider. Et c'est ce qui est le plus challengeant pour vous apparemment sur ce mois de décembre. Parce que vous avez la 2 de bâton et la 3 de bâton. Ce n'est pas vraiment du tout construit. Bon, de toute façon, vous êtes occupé à clôturer un cycle. Donc, ce n'est pas tout à fait construit. Et c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous pourrez, une fois ces poids lourds-là posés, vous pourrez vraiment repartir un petit peu plus serein. Là, construire quelque chose avec d'autres personnes, comment intégrer cette nouveauté dans votre construction? Vous êtes avec des bâtons sur de nouveaux désirs, une croisée des chemins s'offre à vous, c'est un peu complexe possiblement puisque c'est dans le challenge, complexe de pouvoir développer ça, de pouvoir développer ce désir, ce nouveau désir. Même si ce sont encore une fois des cartes assez positives, je pense que ce qui vous attend vraiment... est plutôt bien en fait. Mais effectivement, vous êtes un peu fatigué, peut-être que vous avez du mal à faire avec les autres ce mois-ci et à composer avec différentes personnalités. Effectivement, mais ça vous amène quand même à développer ce nouveau projet. Si vous arrivez à faire avec ces 3 deniers. Émotionnellement, ce qui va passer émotionnellement chez vous, c'est la 9 de denier. Donc on est encore sur des deniers, on est vraiment sur du concret aussi. Émotionnellement, vous serez à la recherche d'une satisfaction personnelle. Vous aurez envie de profiter de la vie aussi, je pense, de profiter de votre confort, de profiter de ce que vous avez, de manière entre guillemets assez égoïste, puisque la 9 de denier, c'est vraiment une satisfaction propre, personnel, intime, puisqu'on est dans l'émotionnel. Là-dessus, vous avez le retour du roi de denier et le cavalier de coupe. Je pense que le roi de denier, que vous représentez, à mon avis, amène chez vous, vous rajoutez une sacrée dose d'idéalisme. Et ce dont vous avez envie, c'est vraiment de pouvoir profiter de choses concrètes, satisfaisantes, plaisantes dans votre vie.
Ce qui n'était peut-être plus le cas, puisqu'il y avait quand même ce fardeau, ce poids lourd comme ça que vous portiez et qui commençait vraiment à devenir pesant. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur vos épaules. Là, ce que cette énergie vous chante, c'est quand même que maintenant, ça serait vraiment bien de pouvoir vous détendre, profiter, peut-être avec d'autres personnes, certes, mais vraiment pour votre propre satisfaction personnelle. Matériellement, d'ailleurs, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est l'énergie du valet d'épée. Donc, malgré tout, assez frais sur l'idée quand même de vouloir sortir de cette situation-là. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer, essayer de trouver des informations, être apprenant quand même. Vous apprenez, hein, puisque vous repartez sur quelque chose de nouveau et que c'est vraiment pas tout à fait... C'est pas stable encore. On n'est pas à la 4, on est à la 2 et la 3. Et il nous faudrait la 4 de bâton pour bien stabiliser ce que vous voulez construire derrière. Parce que c'est quand même là encore une fois un tout petit peu bancal. On rajoute, vous rajoutez quelque chose à votre construction qui déséquilibre un peu le système. Donc vous allez essayer de trouver des solutions. Vous allez vous documenter. Vous allez avoir envie d'apprendre par rapport à ça. Avec, on retrouve ce fardeau des désirs sur, à mon avis, comment sortir de ce fardeau, comment trouver la bonne idée pour pouvoir ramener tous ces bâtons à la maison et qu'on n'en parle plus, en essayant, avec la 4 de denier, de ne prendre aucun risque, de sécuriser au maximum. Comme vous êtes bien fatigué, comme ça commence à devenir lourd, potentiellement, concrètement, vous risquez des choses. En tout cas, vous avez l'impression que vous risquez de perdre des choses et que ce n'est pas le moment de prendre des grands risques, en fait, dans votre vie concrète, matérielle. Vous essayez, avec cette énergie du valet d'épée, d'avoir l'astuce. La bonne idée. Ce qui reprend au début de ce mois, le fait d'agir à couvert mentalement, vous prenez toutes vos bonnes idées là et vous essayez de louvoyer et de partir un petit peu discrètement pour voir comment ça pourrait se passer. Parce qu'il n'est évidemment pas question de prendre de risques en fait ce mois-ci pour vous, de sécuriser ce que vous avez, en tout cas pour ce mois de décembre. Intérieurement, votre cheminement intérieur, ce mois-ci, ça sera quand même une crise mentale. Bon, ce qui m'explique qu'effectivement, la 10 au niveau du mental, ça va être un peu pénible, même si vous arrivez au bout. Intérieurement, vous êtes quand même en crise. La 5 d'épée, ça peut être une crise extérieure, mais comme là, c'est dans la démarche spirituelle et intérieure, c'est quand même en vous qu'il y a quand même un petit chaos. Possiblement parce que peut-être vous n'arrivez pas à trouver le bon pilier supplémentaire pour consolider votre nouveau projet. Effectivement, il y a un petit souci. Avec ceci, nous avons l'empereur et le battleur. Il y a quand même une complexification de la situation. Là-dessus, intérieurement, alors peut-être parce que vous voulez arriver à être aussi fort, encore plus fort qu'un roi de denier, d'arriver à être vraiment l'autorité supérieure de l'empereur, qui possiblement pourrait avoir toutes les cartes en main pour transformer sa vie, enfin qu'il pourrait devenir le magicien, et ça vous pose un problème parce que je pense que vous ne trouvez pas la solution. Ça impliquerait peut-être... beaucoup de conflits, beaucoup de... même entre vous et vous, en fait. Vous ne serez pas forcément peut-être d'accord sur ce que vous pouvez faire, ce que la morale vous demande de faire, ce que vous voulez vraiment faire par rapport à ça. Voilà, un petit conflit. Soit, justement, parce que vous voulez vous décharger de cette autorité supérieure que vous pensiez peut-être avoir, puisque vous êtes quand même arrivé à un haut grade... et que vous aimeriez transformer, en fait. Vous aimeriez transformer la situation, de toute façon. Arriver, effectivement, matériellement, concrètement, à poser votre fardeau tout en ne prenant aucun risque. Il est peut-être là, le challenge. D'être aussi fort et aussi puissant, surpuissant que cet empereur, tout en étant aussi magicien et capable de faire sortir un lapin de votre chapeau que le battleur. Petite crise intérieure ce mois-ci.
À la fin du mois, cependant, vous avez une carte majeure et vous avez l'étoile. Donc, en fait, vos cartes majeures, elles sont formidables. Vous avez le monde, vous avez le chariot, vous avez le battleur et l'empereur, ce qui est plutôt pas mal. Et à la fin, vous avez l'étoile. La foi, malgré tout, dans la finalité de ce mois. Pensez que vous êtes quand même porté, guidé, malgré tout. Quelque chose va peut-être vous prouver et vous faire sentir aussi que vous êtes vraiment guidé. Il va peut-être y avoir une situation qui va vous faire dire un petit coup de pouce comme ça, un coup du destin qui va vous faire dire « Ah mais oui, mais en fait, ça tombe vraiment pile-pile, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Et qui me fait dire que je suis sur le bon chemin. Avec le valet de denier, encore une fois, vous êtes assez apprenant quand même hein, sur deux, trois trucs. Le valet de denier, donc apprendre concrètement comment arriver à développer matériellement, concrètement ce que vous voulez bâtir. Et là, il y a effectivement aussi un petit chaos des désirs. Peut-être que vous n'y verrez toujours pas tout à fait clair. En tout cas, vous vous sentirez porté. Vous aurez envie d'apprendre de cette situation. Et ça vous provoquera, si c'est interne, encore un petit chaos des désirs. Tout ne sera pas tout à fait très clair encore pour vous. Là, on a sauté la 4. Il nous faudrait vraiment une 4 de bâton, en fait. Parce que là, on passe de la 3, c'est ce qui est challengeant, à la 5. Il nous manque la stabilisation de vos désirs, en fait. Bon, mais c'est apprenant. Donc, ne désespérez pas. Et de toute façon, vous avez l'étoile. En énergie traversante, vous avez la 2 de coupe. Alors bon, effectivement, pour certains, même si là, il ne me semble pas que ça parle énormément d'émotions, il y a en tout cas une bonne connexion, peut-être avec la personne avec qui vous vivez ou avec la personne avec dont vous êtes amoureux aussi. Enfin voilà, ça peut être possible aussi, même si c'est un peu extérieur à ce tirage, qui vous pousse mentalement à passer à l'action, puisque nous avons le cavalier d'épée et que ça vous presse. Peut-être que vous avez envie de sortir de cette situation pour repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus émotionnel et juste et équilibré. Ou alors, vous rencontrez vous-même, vous savez vraiment maintenant ce que vous voulez, puisque ce que vous voulez émotionnellement, vous, c'est d'être le roi de denier qui porte un idéal émotionnel et d'être pleinement satisfait dans cette situation-là. Donc, cet idéal aussi, cette rencontre avec vous-même également, pourrait vous presser et vous pousser mentalement à vraiment accélérer et vraiment passer à l'action par rapport à tout ça. De manière centrale, vous avez la 4 d'épée qui explique que le mental, malgré tout, va devoir se reposer. C'est une pause obligatoire. Ça peut permettre, effectivement, avec ce pendu et cette ermite qui met la lumière et qui illumine ce pendu et qui trouve quelque part la solution pour pouvoir réactionner ce chariot. Cette pause obligatoire et mentale, ça peut être vraiment pour certains peut-être tomber un petit peu malade ou vraiment se poser hein, mentalement et arrêter de réfléchir et récupérer aussi, vous permettrait de faire le tri quand même sur pas mal de fantasmes émotionnels. Bon, là effectivement, ça se pose aussi sur ce challenge hein, parce qu'il va falloir bâtir quelque chose. Donc peut-être beaucoup de possibilités pourraient se présenter à vous. Vous imaginez beaucoup de choses. Et cette pause va vous permettre de vraiment profiter de ce temps-là pour faire le tour de la question et peut-être effectivement choisir la bonne coupe. À la fin du mois, environ à partir du 15, vous avez la tempérance. Donc vous reliez là encore une carte majeure et une carte positive, vraiment. Vous reliez les choses entre elles, l'une dans l'autre, ce qui explique peut-être qu'avec cette étoile, quelque chose va vous prouver que vous êtes vraiment sur la bonne voie. L'un dans l'autre, ça devait se passer comme ça. Sur un vieux schéma mental, de vieux schémas mentaux, un vieux fonctionnement qui vous empêchait d'avancer. Et là, peut-être que vous allez comprendre pourquoi et du coup, vous allez pouvoir après repartir. L'un dans l'autre, ce vieux schéma mental que vous aviez, qui est devenu empêchant, emprisonnant, vous aura prouvé quelque chose aussi. Vous ne pouviez pas peut-être faire sans cette sensation d'être emprisonné dans un système. Parce que la tempérance, c'est vraiment accepter aussi le négatif pour y trouver du positif. Donc c'est peut-être dans ce système-là qui est empêchant que vous allez trouver la solution. De toute façon, effectivement, ce qui va vous aider, c'est d'être empêché
C'est cette dualité-là, en fait. D'être empêché va vous permettre de trouver la solution et de pouvoir réactionner ce chariot. Donc, effectivement, ça se pose. En dos de deck, vous avez ce fait d'être un peu fatigué quand même, hein, d'être un peu arrivé au bout du concept, de vous sentir un petit peu peut-être pas capable d'aller jusqu'au bout, même si mentalement vous le sentez encore. Mais vous essayez quand même de vous protéger, de sécuriser au maximum ce que vous pouvez avoir, d'avancer à couvert, parce que c'est quand même un peu usant. Vous ne vous sentez peut-être pas capable d'assumer tout à fait, totalement maintenant ce que vous désirez. Et nous avons la reine de coupe qui est d'une hypersensibilité. Peut-être là, ça serait bien effectivement d'écouter vos intuitions, d'être effectivement émotif, parce que là, vous n'avez pas beaucoup de coupe quand même. Hein. Sur ce tirage, ça manque un peu, même si celles qui sont là sont vraiment très jolies, la 2 de coupe et la reine de coupe, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais, et le cavalier de coupe, ne l'oublions pas, dans l'émotionnel. Donc oui, non, c'est plutôt pas mal. Mais il serait aussi capable, la reine de coupe est quand même capable aussi de faire et de s'occuper vraiment avec amour, en fait, et avec émotion de ce qui lui est cher. C'est peut-être ça que vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait apte à faire ce mois-ci. Mais en même temps, vous êtes occupé à plein d'autres choses. Donc, effectivement, voilà. Vous êtes occupé à poser tous ces fardeaux. Pour les premiers décans, vous avez le roi d'épée. Alors, vous, quand même, il va y avoir une grosse énergie ordonnatrice mentalement. Vous avez du roi, vous avez de l'empereur et. Vous avez du roi de denier et vous avez du roi d'épée, donc plutôt pas mal quand même malgré tout pour vous. Une grosse force ordonnatrice mentale qui pourrait effectivement être plutôt aidante pour vous sur ce mois de décembre. Pour les deuxièmes décans, vous avez la papesse. Alors vous, c'est encore très intériorisé tout ça. Cette démarche est intériorisée. Bon, effectivement, comme vous êtes un peu bloqué, ben, il va falloir conscientiser ça d'abord intérieurement, puisque pour le ressortir ensuite, il va falloir sortir de ce pendu. Pour remonter dans ce chariot. Mais c'est bien parce que c'est quand même conscientiser les choses intérieurement. Après, il suffira juste de le ressortir et c'est plutôt pas mal. Mais ça reste encore un peu secret. Ce qui reprend cette 7 d'épée là, de faire les choses un peu en douce. Parce que vous vous sentez peut-être pas tout à fait apte à pouvoir l'assumer totalement déjà. Et pour le troisième décan, vous avez le valet de coupe. Ah ben encore des coupes, c'est plutôt pas mal pour le troisième décan. Qui est quand même, encore une fois, malgré tout, apprenant, mais qui a envie d'apprendre de son émotion, de l'amener aux autres, de voir ce que ça pourrait donner, de fonctionner avec ses émotions, tout en étant toujours dans l'apprentissage. En carte majeure, vous avez le fou. Donc là, il est vraiment question de vous lancer malgré tout. C'est un cap à passer. Parce que c'est un peu complexe pour vous de vous lancer. Même si vous sentez que vous êtes arrivé au bout, que vous voulez sécuriser, vous êtes quand même malgré tout en train de faire quelque chose de nouveau. Ces nouveaux désirs là, c'est vraiment nouveau. À mon avis, vous voulez rajouter vraiment quelque chose que vous n'aviez pas fait avant potentiellement. Donc là, eh bien, il suffit d'y croire. Bon, à la fin du mois, vous avez l'étoile, donc ce processus se fait potentiellement effectivement. De se libérer aussi. Le fou se libère quand même énormément de tout ce qu'il traînait derrière lui, d'un ego, de ce qui pouvait aussi lui donner une image, une certaine image sociale. Donc là, peut-être que vous changez pour certains totalement de voie, professionnellement, concrètement dans votre vie aussi, parce que vous en avez ras-le-bol. Vraiment, c'est central, elle est assez impressionnante, cette lecture centrale. Et en dos de deck, vous avez la roue de fortune. Donc là, vous sentez bien qu'il va falloir agir. La roue s'est réactionnée. Il va falloir agir sur cette roue pour pas tourner en rond comme dans un hamster dans une roue comme ça inlassablement jusqu'à la fin de vos jours. Là, il y a un moment clé. Là, il faudrait réagir. C'est en dos de deck, donc ça sera un petit peu plus en sourdine pour le moment, mais quand même, ça vous le chante à l'oreille. Écoutez, voilà une lecture assez rapide, il me semble, mais en même temps, donc pas forcément des énergies très gênantes, puisque ces poids-là,
Quand ils arrivent, les 10 de bâton, la 10 d'épée, c'est qu'on a déjà dans cette... Enfin, on a déjà passé ce cap-là. C'est certes difficile, c'est certes... Mais c'est tellement conscientisé, mais effectivement, avec la papesse pour le deuxième décan. On a travaillé à cette question-là. Il suffit juste d'avancer encore, de faire quelques pas ou d'attendre que le soleil se lève pour pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de neuf. Écoutez, passez un excellent mois de décembre. Profitez bien de ce passage. Essayez effectivement d'entretenir cette 3, de faire avec les autres. Si jamais vous trouvez le quatrième bâton, n'hésitez pas. Je pense qu'il vous sera grandement utile pour vraiment planter vos désirs bien ancrés dans le sol, même si, voilà, ça serait bien pour ceux qui ont une longueur d'avance de trouver ce quatrième bâton. Il sera bien aidant, à mon avis. Et je vous dis à l'année prochaine.